Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Christ, chers frères et sœurs, est baptisé dans le Jourdain. Aujourd'hui, dans le Jourdain, il sanctifie toutes les eaux du baptême pour qu'elles deviennent pour nous source de vie éternelle. Demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain, et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs nés de l'eau et de l'Esprit de se garder toujours dans ta sainte volonté,
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu. À cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Parmi les peuples, c'est au fait, redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois ne font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu.
C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Mes frères, mes sœurs, ces paroles de l'apôtre Saint Jean dans la deuxième lecture sont un peu mystérieuses. Et pourtant, elles vont nous aider à comprendre ce qui se passe dans le mystère que nous célébrons aujourd'hui, le mystère du baptême du Christ, un autre moment de sa révélation, de son épiphanie, puisque le mot épiphanie veut dire révélation. Jésus-Christ vient par l'eau et par le sang. Aujourd'hui, Jésus-Christ est baptisé dans le Jourdain. Si on lisait l'évangile selon saint Matthieu, on aurait entendu la réaction de Jean-Baptiste lorsqu'il voit arriver Jésus. « Ce n'est pas moi qui devrais te baptiser, c'est toi qui devrais me baptiser. » Jean-Baptiste comprend bien que Jésus n'a pas besoin du baptême pour le pardon de ses propres péchés. Il n'en a pas. Et pourtant, Jésus exige d'être baptisé par Jean. Non pas pour recevoir le pardon de ses péchés, mais pour bien montrer que le baptême de Jean, qui va être transformé dans le baptême de Jésus-Christ donné au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce baptême, c'est l'une des manières de la venue de Dieu dans notre monde. Les pères de l'Église le disent, si Jésus-Christ est baptisé en ce jour, c'est pour, à travers les eaux du Jourdain, sanctifier toutes les eaux afin qu'elles puissent être utilisées dans le don du sacrement du baptême. Or, le don du sacrement du baptême, c'est le don de la grâce, c'est le don de la nouvelle vie. Nous avons tous reçu de nos parents une vie naturelle, cette vie qui un jour s'en ira. Au baptême, Dieu partage avec nous sa propre vie à lui, sa vie surnaturelle, sa vie qui, elle, ne finira pas et qui fait que notre départ d'ici-bas ne devient plus qu'un moment de notre vie qui, elle, ne fait que continuer d'une manière autre, d'une manière surnaturelle, d'une manière plus parfaite. Et cette vie surnaturelle, nous l'avons déjà en nous. Elle est déjà semée par le sacrement de baptême que nous avons reçu et qui reçoit sa force du Christ Jésus qui aujourd'hui se fait baptiser dans le Jourdain. Jésus vient à nous d'abord par l'eau. Et puis, dit saint Jean, il vient à nous par le sang. Ici, nous avons clairement une allusion au sang de Jésus versé sur la croix. Le sang qui, dans la Bible, n'est pas un bout de liquide. Le sang qui, dans la Bible, est le lieu de la vie. Jésus vient par le sang, c'est-à-dire qu'il vient par le don de sa vie. Encore ce que nous célébrons au baptême, que nous avons vécu une fois dans notre vie, la plupart du temps nous ne nous en souvenons pas, mais que nous sommes appelés à revivre chaque fois qu'avec l'Église nous célébrons l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, cet autre sacrement auquel saint Jean fait allusion ici, c'est sa propre vie, une fois de plus, que Jésus nous offre, que Jésus partage avec nous. Nous avons reçu le baptême une fois dans notre vie et nous avons la possibilité de revivre et de recevoir pleinement de nouveau ce don de la vie de Dieu, de la vie de Jésus en chaque Eucharistie. Mes frères, mes sœurs, Jésus a décidé de venir à nous par l'eau et par le sang, c'est-à-dire par le don des sacrements. Il aurait pu venir à nous d'une manière autre. Il est d'ailleurs venu à nous en devenant homme,
en prenant notre chair, en l'offrant sur la croix, en mourant et en ressuscitant. Mais il a voulu que ce qu'il a vécu il y a 2000 ans puisse être vécu par chacun d'entre nous, ici et maintenant, sous la forme des sacrements. Dans le baptême, nous recevons vraiment la vie de Dieu. Dans l'Eucharistie, nous recevons vraiment la vie de Dieu, ce don qui est renouvelé chaque jour. Non pas que Dieu ait besoin de le donner, Dieu ne retire jamais ses dons, mais nous, nous avons besoin, dans notre vie d'ici-bas, de vivre et de recevoir ce don régulièrement. La fête du baptême, dans les églises orientales, c'est la fête de l'épiphanie. Dans la tradition latine que nous vivons, le jour de l'épiphanie, nous faisons mémoire tout particulièrement de la visite des mages. Dans tout l'Orient, le jour de l'épiphanie, on fait mémoire du baptême du Christ, on bénit les eaux de manière très solennelle. Et c'est pourquoi notre Église, en tout cas depuis le Concile Vatican II, a désiré que, non loin de l'épiphanie, l'on fête aussi le baptême du Christ. La révélation qui est faite en ce jour, épiphanie veut dire révélation, est dans la suite même de celle qui a été faite à l'épiphanie. Aussitôt, nous dit le texte de l'Évangile, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y a l'Esprit Saint dans le baptême. Et d'ailleurs, Saint Jean le disait tout à l'heure, en effet, ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. L'Esprit Saint qui apparaît au baptême du Christ sous la forme d'une colombe, et la forme d'une colombe, ça n'est pas neutre. La colombe, dans l'Ancien Testament, c'est la colombe de Noé. Lorsque Noé est dans l'arche, que toute la terre est submergée, il envoie une colombe pour voir si quelque part il n'y a pas des terres qui réémergent et qui signifient que le déluge arrive à sa fin. Et un jour la colombe ramène une branche, Noé comprend que le déluge arrive à sa fin. Si l'Esprit Saint au baptême du Christ apparaît sous la forme d'une colombe, c'est bien pour annoncer la fin du déluge de notre monde, annoncer dans les ténèbres de ce monde, dans les difficultés que tous les hommes, toutes les femmes de ce monde doivent vivre de manière diverse, mais bien réelle, il y a déjà une terre nouvelle qui est en train d'apparaître. Et cette terre nouvelle, ça n'est pas une île, ça n'est pas un bout de nuage dans le ciel. Cette terre nouvelle, c'est Jésus-Christ, Dieu fait homme. C'est l'humanité de Jésus-Christ, c'est la chair de Jésus-Christ. Il y eut une voix venant du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Voici qu'après l'arrivée de l'Esprit-Saint, c'est le Père qui parle et qui désigne son Fils, qui nous désigne son Fils. Il nous désigne son Fils comme le lieu de sa joie. Vous voulez trouver la joie de Dieu, eh bien vous la trouvez dans la chair du Fils, dans le Fils de Dieu, Verbe fait chair, Dieu fait homme. Cette humanité du Christ que nous recevons dans l'Eucharistie, ce Christ, vrai homme et vrai Dieu, qui se donne à nous à chaque fois que nous célébrons ce grand sacrement. Mes frères et mes sœurs, c'est là qu'est la source de la joie, dans la rencontre avec Jésus-Christ. Cette rencontre, elle ne doit pas se faire à l'autre bout du monde. Il n'y a pas besoin de partir en pèlerinage, de monter sur la lune, de chercher quelque part dans l'univers. Cette rencontre, elle est là, ici et maintenant, parce que Jésus s'est fait homme, parce que Jésus à un corps, ce corps que nous recevons dans l'Eucharistie, ce corps que nous sommes
nous qui sommes l'Église. Jésus, il est ici et l'origine de notre joie, il faut la trouver ici. Par ici, je n'entends pas directement ce lieu de la basilique, j'entends bien l'humanité de Jésus, l'humanité de Jésus dans le sacrement, l'humanité de Jésus que nous sommes. Dans cette humanité, nous est donnée toute la joie de Dieu, toute sa tendresse, tout son pardon. Et c'est cela qui est source de la joie du Père et qui peut devenir source de notre joie. Le jour de notre baptême, nous sommes devenus, nous aussi, enfants de Dieu. Du baptême du Christ, sourd la source de notre propre baptême qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et c'est sur nous, à travers Jésus, que sont prononcées aussi ces paroles. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie. Et voilà que nous est indiqué un lieu de plus où chercher sa joie. Ce lieu, c'est nous-mêmes, c'est le fond de notre âme, c'est le lieu de la rencontre avec celui qui est la source de toute joie, avec celui qui est venu habiter en nous, avec celui qui nous attend au lieu de notre cœur. Que le Seigneur nous accorde d'y descendre, que le Seigneur nous accorde de l'y rencontrer, lui qui nous a déjà rencontrés, que le Seigneur nous accorde de vivre de cette joie que le Père a mise en lui, que le Père a mise en chacun d'entre nous. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec Jésus, Dieu nous appelle à une seconde naissance dans l'Esprit Saint. En ce jour encore, le ciel s'ouvre et ses paroles s'adressent à chacun de nous, car nous sommes ses enfants. Avec son Fils, tournons-nous vers lui pour qu'il entende la prière de son peuple rassemblé.
Prions pour l'Église du Christ, qu'elle demeure attentive à la voix du Père qui l'appelle sans cesse à la miséricorde. Prions pour tous les gouvernants, qu'ils entendent la voix du Père chez tous ceux et celles qui réclament justice, partage et paix pour tous et toutes. Prions pour les malades, les sans-abri, les réfugiés, ceux qui sont sans ressources. Que le Seigneur rejoigne chacun sur son chemin de souffrance et de rédemption. Prions pour notre communauté chrétienne, qu'elle ouvre ses bras aux futurs et nouveaux baptisés, en leur faisant voir le Christ vivant au milieu d'elle. Dieu notre Père, accorde-nous de pouvoir aujourd'hui répondre à ton appel en suivant généreusement le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que la parole habite chez les hommes et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension à ta droite dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste, Saint Maurice et ses compagnons, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre abbé Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ.
Prions. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui seront écoutés ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment, par Jésus le Christ, notre Seigneur. La quête de ce jour en Suisse est faite pour le Fonds de solidarité pour la mère et l'enfant, ainsi que pour SOS Future Maman. Vous laissez votre obole dans les troncs qui sont à la sortie. Et pour ceux qui participent à cette Eucharistie par YouTube, si vous décidez de verser votre obole, précisez bien que c'est pour la messe d'aujourd'hui et nous ferons suivre pour ces œuvres. À l'extérieur de l'église, Maurice, notre prophète, ainsi qu'un certain nombre de jeunes, vous proposeront des enveloppes contenant des graines de fleurs qui pourraient arriver au printemps, orner vos balcons. Elles sont vendues au modique prix de 5 francs. Elles sont là pour aider notre confrère, le chanoine Guy Luisier, qui est au Kassai avec une communauté en formation au Kassai, en République démocratique du Congo. Avec ce don, le chanoine Guy pourra poursuivre ses activités missionnaires en faveur des enfants qui rêvent d'aller à l'école, en faveur du centre de santé et de divers autres projets de la communauté. Nous vous remercions de votre générosité. Recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.